この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour jouer à SimCity 2000. Alors, SimCity 2000, c'est pas un jeu qui a un an, hein. C'est un jeu qui date depuis presque 30 ans. C'est un jeu donc, qui est sorti sur plein de plateformes différentes, hein. PC, console, console portable. Notamment cette version actuelle qui est la version Game Boy Advance que j'ai choisi. Alors, j'ai failli faire la version Saturn, le fameux la version PC, mais. Je m'attache plutôt à cette version tout simplement parce que, pour vous resituer le contexte, quand le jeu est sorti sur Game Boy Advance, c'était en fait la première fois où on pouvait jouer à SimCity sur une console portable, hein, concrètement, avec des graphismes au moins à peu près équivalents à ceux d'une version console. Alors on va voir les options. Donc on peut mettre la musique, on peut mettre le son, on va laisser le son, hein, tant qu'à faire. Et on va faire démarrer. Donc on a un mode nouvelle ville, scénario ou charger partie quand on a sauvegardé une partie. Alors le mode scénario, on a l'invasion extraterrestre, on a les émeutes, on a les tremblements de terre, on a la fusion nucléaire. On verra ça après tout à l'heure. Là je vais vous montrer une nouvelle ville. Donc on peut choisir une carte. Donc on a là plusieurs environnements. Alors il n'y en a pas tant que ça, hein, mais bon, il y a quelques environnements de départ, ça c'est cool. Je pense qu'on va prendre celle-là, c'est peut-être le plus simple au début. Donc on peut changer le nom de notre ville, bien sûr. Ce que nous allons faire tout de suite. Voilà. Et on va l'appeler... ouais, j'ai envie de dire comme d'habitude. Voilà. Hop. On va faire... Ok. Et le maire... Ça va être moi-même, donc. Voilà. Hop. Alors, souvenez-vous de cette musique parce que vous n'allez pas l'entendre souvent. Donc, on peut démarrer avec plusieurs options. Donc, on peut choisir de démarrer dans les années 1900, 1950, 2000 ou 2050. La seule différence entre ces âges, c'est tout simplement la disponibilité de certains éléments, par exemple les centrales solaires, les centrales nucléaires, etc. Quand on commence en 1900, on n'a pas grand-chose au choix. On n'a que des centrales pétrole. Et beaucoup de choses n'ont pas été encore construites. On peut choisir de démarrer des capitaux plus ou moins élevés, de 20 000, 10 000 ou bon de 10 000. Alors bon, ça veut dire qu'en fait on part avec un crédit dès le début, qu'il va falloir rembourser au fur et à mesure. Là, on va partir avec 20 000 pour avoir un peu de marge. Et quand je dis un peu de marge, c'est vraiment un peu, parce que vous allez voir, ça coûte très très cher. Alors, monsieur le maire, la première chose à faire pour la ville est de construire une centrale. C'est ce que nous allons faire. Donc on va aller chercher une centrale. Alors, juste avant, on va faire les options. Et on va faire suivant. On peut donc activer ou désactiver les désastres. Je vais le désactiver pour le moment, parce que c'est histoire de vous montrer un petit peu. Aide à atterrir, on va l'enlever. Et si je coche ici, je peux sauvegarder la partie. Donc là, on va faire retour. On va faire suivant encore. Retour, retour. Saut auto sur les budgets, voilà. Et là c'est la vitesse du jeu, donc on peut mettre en mode pause, mode tortue, mode lama. On va mettre lama, pas besoin de mettre à fond. On va faire retour. Allez, c'est parti. Donc au début, alors c'est très austère, hein, il n'y a pas de musique. On va construire, bah, comme dans tous les SimCity, en fait, une première centrale pour commencer. Donc là on a l'énergie du pétrole, on va prendre celle-là, elle coûte 6000. Un petit... petit journal qui nous dit que la foule applaudit la fondation de la ville que nous allons pouvoir placer sur la carte. Alors on a un désert, hein, c'est pas la différence par rapport au reste. J'ai un peu de place, alors j'ai envie de mettre... on va la mettre sur le bord là, ça serait marrant, tiens. On va la mettre ici.
Et maintenant que j'ai placé une centrale, donc on va faire retour. On appuie sur R1 et du coup on a un menu qui nous permet de changer la taille de l'échelle. Voilà, alors on peut au minimum. Là, on peut augmenter au maximum. Je vais baisser un tout petit peu la taille, voilà, qu'on a une vue un peu plus générale. Vous le voyez, on est sur Game Boy Advance et bah, le petit écran, c'est pas ce qui va rendre honneur au jeu. Mais en soi, c'est quand même plutôt pas mal pour un début. Je sais que j'avais acheté le jeu justement en me disant, mais c'est génial d'avoir un SimCity dans la poche. À l'époque, c'était ça, trop trop bien. Alors, ce qu'on va faire, pas de touche, on va placer donc une petite artère. On va mettre voilà une route. On peut lier avec le voisin pour 1000$. On va pas le faire pour le moment, ça coûte un peu cher. Mais ça me permettra d'avoir des contrats après et d'avoir un peu plus de visiteurs. Là, on fait une ville assez simpliste hein, pour le moment. Alors, je sais qu'il y a le carré magique, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de carrés à respecter pour avoir le maximum d'habitations et que ce soit super optimisé. Là, on va pas le faire parce que je m'en souviens pas tout simplement. Là, je continue à faire des routes. Voilà. Propose à nouveau jouer faire non. Donc là voilà, on pose des routes. Donc c'est comme le SimCity en fait classique, hein. Il n'y a pas de grande différence en soi, si c'est que là bah, on est dans une version un peu pocket. Alors évidemment on est sur SimCity 2000, donc c'est un peu moins joli qu'un SimCity 3000, 4000, c'est tout à fait logique. Mais je trouve que là pour la Game Boy Advance c'est ce qu'on attend. On n'attendait pas plus, pas moins. Et là on n'est pas surpris. Par la qualité. Là, je vais encore refaire une route. Sauf que là, j'ai fait non, hein, c'est bon, j'ai pas fait où. Voilà. On va relier la route. Maintenant que j'ai fait un carré, on va. Voilà, faire encore un carré ici. Normalement, j'aurais dû faire un carré aussi ici. Bon, ça sera pas spécialement super optimisé, mais c'est pas grave. Dans ce petit carré, on mettra des bâtiments un petit peu administratifs. Donc j'appuie sur L1, voilà, donc là je vais mettre des lignes électriques. Alors logiquement, si je relie tout, ça devrait aller, mais bon. J'ai pas trop compris cette histoire de zone. Mais bon, en gros, voilà, je peux faire ça. Je relie un peu tous les carrés. Voilà. Je fais ça un petit peu. C'est pas super pratique de jouer à SimCity à la manette, hein, ça c'est une logique imparable. Mais en général, comme le jeu est un petit peu en forme de damier, ça passe au niveau du maniement. Et on a déjà fini la première année. Donc j'ai moins 2, moins 7 en trafic. Donc au niveau du budget, ben, on a perdu de l'argent. Jusque-là, c'est logique. On va faire financement. Regardez, on peut choisir de baisser ou monter les budgets de chaque partie. Par exemple, la police, l'incendie, l'aide, la santé. Éducation, trafic, taxe sur la propriété. Je vais laisser par défaut pour le moment. Et si je fais suivant, voilà les capitaux en fin d'année. Je perds 2, donc c'est nul, mais ça, c'est pas grand-chose. Et donc à la fin de l'année, il va me rester 12 414. On va faire quitter. Et nous, on va continuer notre bonhomme de chemin. On va maintenant du coup placer des zones un petit peu bah, résidentielles. Alors, on a plusieurs types de zones résidentielles. On a les zones réduites ou les zones denses. On va mettre Au début, on va mettre des zones résidentielles réduites, c'est toujours ce qu'il faut faire. Je mets des zones résidentielles. Alors les zones résidentielles, on va la placer ici. Pardon, pas les zones résidentielles, pour le boulot, je veux dire, on va les placer ici. Voilà. On va mettre des zones commerciales un peu entre les deux. On va en mettre une ici. En général, ils aiment pas trop les zones commerciales dès le début. Et on va mettre maintenant des zones résidentielles tout autour. Limite, je vais faire que la moitié ici, puisqu'on mettra des zones résidentielles sur l'autre partie dès que ça sera fait. Et oui, on a déjà des habitations qui arrivent. Alors, c'est très austère, hein. C'est dommage qu'ils aient pas laissé la musique. Franchement, ça aurait été cool, ça aurait mis un petit peu d'ambiance, parce que là, vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de son. C'est ça, c'est sûr que c'est très calme hein, pour le coup, mais bon, c'est un petit peu dommage. Alors, poste de police, on va faire un poste de police qu'on va mettre. Ah ouais, c'est un 4x4. On va le mettre ici. Voilà. Il faut évidemment penser à l'éducation, donc on va faire une petite école.
Bah, je pensais faire des blocs de 4x4, mais en fait, j'ai pas assez. Et il manque d'électricité, donc en plus, il va falloir que je rajoute un câble électrique que l'on va mettre. Alors, on va un petit peu agrandir, hein. On va faire une route un peu plus élevée. Mais du coup, je vais remplir avec la. De l'autre côté, on mettra une zone. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. J'allais dire, on va remplir avec une zone commerciale, mais en fait, on va pas le faire. Là. Un jeu qui exige de la patience. Tac, 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 on va placer ça. Alors après, je vais pas vous expliquer le fonctionnement de SimCity entièrement, hein. Je pense que vous avez suffisamment vu de vidéos à l'époque pour ça. Là, on va juste, voilà, je vous montre un petit peu le jeu, ce que ça donne sur une console portable 32 bits. Ligne électrique, bon, on va en rajouter une. Est-ce que je peux la rajouter? Je peux pas. Et du coup, comme j'ai fait ma. Je dois utiliser le bulldozer, voilà, ici. On va faire raser. Hop, on a cassé. Et on va, du coup, continuer à placer. Des zones électriques. Voilà. Et là, vous voyez, ce carré, bah, il est toujours pas alimenté. Je sais pas comment on peut faire pour l'alimenter, du coup. Sais pas du tout comment on peut faire. Ah bah ça marche. Ok, je peux même faire traverser les zones de les pylônes sur la route. C'était pas possible hein, dans le 3000, par exemple. Alors, on va du coup compléter. Alors, la poste de police c'est fait. On peut mettre un parc si on veut. Donc là, on peut mettre un petit parc par exemple. On va faire petit parc. Comme ça, ils vont être contents. Ils auront une zone de verdure. On va le mettre. On va le mettre ici, le petit parc. Tiens. Attends. Ah, je vais le placer. Je vais pas le placer parce que. Regardez, là, ça me coûte un peu plus. Je perds de l'argent pour le moment. On va le placer. Bon, on va le mettre à côté de la police. Ah mais je peux pas parce qu'elle est électrique. Ok, d'accord. Bon, on va le mettre là. Ensuite, on va donc remplir les zones un petit peu, hein, parce que là on n'a pas beaucoup de zones. Zone résidentielle, on va. Non, on va passer sur les zones résidentielles réduites. Et là, ce qui est paradoxal par exemple, c'est qu'il me dit qu'il n'y a pas d'électricité. Alors qu'on a un pylône qui est juste à côté. Vous voyez ici le petit bloc de. Ah bah c'est bon, ça s'est corrigé. Là on va mettre une zone commerciale, on va la mettre ici finalement. Voilà. On est à. On voit pas le nombre d'habitants pour le moment. Enfin moi je le vois pas en tout cas affiché. On voit juste la date, hein. On est en avril 1902 et on a 10 000 crédits. Là, je vais en profiter pour rajouter voilà, un petit peu de courant. On va refaire une zone ici avec une route. Donc là, on voit qu'ils veulent du commerce et un peu d'industrie. Et on va mettre du coup bah justement des industries. Voilà. Alors, mine de rien, il y a peu de boutons sur une Game Boy Advance, mais on s'en sort plutôt bien. Hein. Pour le maniement, c'est quand même assez simpliste. Une fois qu'on a compris que c'est avec Alain qu'on allait chercher les trucs, ça va, hein, on s'en sort. Donc là, j'ai ma ville, enfin, j'ai un bout de ville, on va dire, un hein, début de ville. Donc ça se passe plutôt pas mal. Alors, il n'y a pas de gestion, vous pouvez le voir, il n'y a pas de gestion de l'eau. Par contre, on va avoir des bâtiments disponibles au fur et à mesure. Là, on en a 4 en plus. Pour le moment, j'ai rien du tout. Normalement. Si je me base sur la carte et que j'appuie par exemple avec le bouton B, j'ai du coup voilà la capacité, donc elle est à 33% de capacité à la centrale, donc je sais que je peux encore faire une ville 2 fois plus grande, enfin rajouter 2 fois encore la ville actuelle, et que ce sera toujours suffisant. Ensuite, on peut voir aussi la même chose pour par exemple la police. J'appuie sur ça, voilà, je vois 10 officiers, crime avec 4, arrestation 7, coût annuel. 100. Et là, ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais relier à nouveau ici de la centrale jusqu'à la zone et on va faire une nouvelle zone. Voilà, une nouvelle zone là. On va faire une route.
À nouveau, voilà. Ouais, là j'ai une route classique, mais après je pourrais faire des routes un peu plus grandes. Là on va faire comme ça. Encore faire un pâté. Voilà. Alors SimCity 2000, c'est un jeu un petit peu anarchique dans le sens où des petites villes comme ça, le nombre d'habitants augmente très très vite. Alors que par exemple dans SimCity 3000, c'est un peu plus c'est un peu plus logique par rapport à la taille. Et en 4000, c'est pareil. Là, c'est un petit peu anarchique. 4, donc ce qu'on va faire, je vais placer. Alors il veut pas forcément beaucoup de. Pas forcément beaucoup de zones résidentielles pour le moment. Donc ce qu'on va faire, on va placer une zone résidentielle. Non, industrielle. On va placer la zone industrielle, pardon. Toute la zone là. Voilà. Comme ça, ils vont être. Les usines vont être près de la plage. Voilà. Alors on va faire un petit zoom quand même. Voilà, alors on a fini la saison 1904. Donc on voit que ça m'a coûté 100, l'éducation 25, le trafic et les taxes sur la propriété 213. Donc il y a en 1904, c'est ce qui était prévu. C'est ce qui est prévu pour 1904, 250 sur la taxe de propriété. Donc total, marge autofinancement, j'ai 78, donc j'ai gagné de l'argent sur l'année 1903. Ça c'est cool. Ce que je voulais faire, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Oui, je voulais vous montrer un petit peu avec le zoom. Là, c'est le zoom maximal. On peut pivoter la carte. C'est-à-dire que si je peux tourner, voilà, le sens. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme elle est actuellement. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, carte à l'échelle. Et vous voyez, on peut voir la ville entièrement. Alors, on peut pas voir les voitures, on peut pas voir ce genre de choses. Ça ferait trop de choses à gérer pour la console. Mais en tout cas, la version se défend plutôt pas mal. Disons que c'est un petit jeu qui fait passer le temps. Enfin, à l'époque, je sais que c'était vraiment cool pour ça. C'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on se pose, on fait notre petite ville. On est dans un mode un petit peu pocket, toujours assez sympa. Alors là, pour le moment, on n'a pas activé les anomalies. Enfin, les anomalies, les. Pas les intempéries, mais les catastrophes naturelles. On pourrait le faire. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On va faire un petit peu de zone commerciale. Que l'on va placer. Voilà, ici. Donc là, il y a 4. Je vais les placer là. Voilà. Voilà. On va agrandir. Alors, peut-être pas forcément comme ça. Voilà. Hop. On va faire une zone résidentielle réduite. Que l'on va placer. Ici, voilà, même s'ils n'en veulent pas trop pour le moment. Puis voilà, et puis ça va se construire, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Alors si je fais Select, j'ai la carte de la zone, donc je peux voir à peu près à quoi ressemble la carte. La carte routière. Vous voyez là, je peux choisir les zones, hein, c'est-à-dire je peux voir les zones commerciales, là où j'ai mis les industries, là où j'ai mis les zones résidentielles. La carte routière, on l'a vu. Les liaisons. La couverture de la police, la couverture des pompiers. D'ailleurs, il n'y a pas de pompiers. On va faire un. En profiter pour faire quelque chose pour le feu. Si je le trouve d'ailleurs, parce que je ne sais même pas où il est. Un petit parc, poste de police, caserne des pompiers, hôpitaux, prison. Il n'y en a même pas d'hôpitaux. On va faire une caserne de pompiers que l'on va placer. Bah écoutez, vu qu'il voulait pas de. Nous en voulait pas trop. On va la placer là. Je peux plus. Sauf que je peux plus, donc je vais le mettre ici. Voilà, c'est parfait. On a maintenant les pompiers, ça empêchera qu'il y ait trop de départs de feu. Et oui, on commence déjà à avoir des gros bâtiments un peu plus punchy, quoi, un peu plus volumineux. Ça fait des beaux immeubles. Bon voilà, donc je vous ai montré un petit peu, pas besoin d'aller trop trop loin. Alors évidemment, après, quand on commence à avoir de l'argent, on peut faire la maison du maire, on a certains monuments qui augmentent la valeur de notre terrain. On peut faire un pont maritime quand on est près de l'eau, d'ailleurs j'aurais peut-être pu faire ça. D'ailleurs c'est marrant, attendez, on va faire. Est-ce qu'on peut faire un port maritime ici? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Ouais, non, c'est trop réduit. Bon, on aurait pu faire un port si on avait eu envie. On a déjà 19 finis, ce que je vais faire. On va faire option. On va faire. Oui, retour. Oh non. Option, je vais y arriver. Suivant.
Suivant, on va faire sauvegarder. Oui. Donc là, je sauvegardais ma ville. Attention de ne pas se retirer la cartouche, ça s'enregistre directement dans la cartouche du jeu. Faire retour. Et on va faire quitter. Oui, c'est dommage, on aurait pu avoir une petite musique de fond, mais ils l'ont pas mise, donc c'est un petit peu dommage. Alors, ce que je vous propose, on va faire un mode scénario. À part, par exemple, le tremblement de terre. Los Angeles, comme par hasard. On va faire ça. Alors, je testerai les versions SimCity 2000 d'autres consoles, hein, pas que la GBA non plus. Tremblement de terre a ravagé la ville. Pour gagner, mettez fin au pillage, éteindre les incendies, fait passer ta population de 90 000 en 5 ans. Bon, alors déjà, vite, on va faire envoyer les pompiers. Et là, si j'arrive à le faire. On va envoyer les pompiers ici. Là aussi. On va envoyer les pompiers. Ah, c'est difficile. Ça rame un petit peu, j'ai l'impression. Voilà. Et ici, on va renvoyer la police parce qu'il y a des émeutes. On va essayer de tout. Voilà, regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a. Il y a le feu partout. Je sais pas par où on va commencer, mais. Ça rame un peu. On va voir s'ils sont capables d'éteindre le feu un peu partout. Alors vous voyez là par exemple on a des centrales, je crois qu'on est en 2000, ouais, c'est des éoliennes qu'on a. En 2050. Alors est-ce qu'on va être capable d'éteindre le feu et empêcher les gens de... Alors jamais les pompiers, je sais pas du tout ce que ça va faire. Parce que là, tout est en train de cramer. On va regarder un petit peu la ville de manière générale. Si j'y arrive. Ouais, le tremblement de terre quand même. Tout a cramé à ce niveau-là. Il va falloir tout reconstruire. Donc, il va falloir démolir des zones, etc. Pivoter la carte, non. On va remettre le niveau de zoom un peu élevé. Voilà. Alors, j'ai mis les pompiers, mais j'ai pas l'impression que ça serve à grand-chose pour le moment. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse. On est en mode hirondelle, donc c'est censé être rapide d'ailleurs. Au retour, continuer. Tout qui est en train d'être détruit d'ailleurs. Et tout qui est en train d'être détruit partout. J'ai pas l'impression que les pompiers soient suffisants pour pouvoir supporter tout ça. Et vous voyez, je peux pas cliquer sur la zone du feu, hein. Je suis obligé de cliquer à côté. J'en ai mis 3. Alors pour les flics, c'est bon. J'ai l'impression que la révolte a été matée. Il y a du feu là-bas aussi, hein. J'avais pas vu. Oh, il y a tout qui est en train de cramer. C'est vraiment horrible. Je sais pas combien j'en ai mis à la fin, mais il y en a beaucoup. J'ai mis des pompiers partout. Je sais pas quelle réserve j'ai en pompiers par rapport au reste. Par contre, ça crame toujours, hein. Pour l'instant, ils ont rien éteint. Tout est en train de cramer. Ah ouais, mais là, je peux rien faire. J'ai tout qui prend feu. J'ai aucun pompier qui est sur place. Alors, est-ce que c'est parce que les ponts sont coupés? Peut-être le cas, hein. Peut-être que les ponts sont détruits. Non, j'ai pas l'impression. Bon, ce qu'on va faire. Est-ce que je suis obligé de... Est-ce que je... Ah non, je peux pas sortir, je suis obligé de faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est démolir. Alors est-ce que je peux démolir ça?
Alors je démolis rien. Je sais pas ce que c'est. Ça part, tu peux marcher. Hein. L'intervention des flics, là, je vois aucune différence. Surtout qu'ils crament quand même. Et ouais, on est toujours en janvier. Pourtant, ça prend toujours feu. Mini pompiers partout, ça change rien du tout. Je comprends pas ce qui se passe. On va faire option. Pourtant, on est bien en mode. Mode guépard, suivant. Si j'enlève le désastre, juste pour voir, qu'est-ce qui se passe. Ouais, plus ça prend feu là-bas aussi. On a des émeutes un peu partout. Là, y a rien qui prend feu, j'espère. Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ouais, la ville est assez grande, là, par contre. Hein. Plutôt. Et là, on sent que la fluidité est en train d'être perdue hein, sur la console d'ailleurs. Ouais, donc bah, là, j'ai mis des pompiers, il y a tout qui crame quand même, donc je comprends pas trop comment faire pour gérer ça. J'en ai vraiment aucune idée. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je vous aurais montré un peu ce que ça donne avec le feu dans la ville, tant dire que c'est compliqué. Très compliqué. En plus, je peux rien acheter. Je peux même pas sortir de ce mode en fait. J'ai appuyé sur R1 et L1, je peux juste changer la carte de l'échelle, démolir, envoyer pompiers, envoyer la police, mais c'est tout. Je peux rien faire, je pivoter si je veux la carte. Mais ça s'arrête là. Bon bah écoutez, pas besoin d'en faire plus hein, pour la version Game Boy classique. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'est très austère évidemment. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. En tout cas, tout qui est en train de cramer.